Oh zut. Je sais pas ce que j'ai ce matin, je suis pas réveillée, moi. Ah, moi c'est pareil, hein. Je me demande pourquoi Théo n'est pas descendu. Ouais. Normalement, à cette heure-là, il devrait partir à son cabinet, hein. Il est peut-être déjà parti. Oh. Pardon. Arrête, Sabine, c'est contagieux. Attention, je crois que j'entends quelqu'un. C'est peut-être lui. Oh non, me dis pas ça, t'as vu comment je suis habillée? Oh là là, qu'est-ce qu'on se néglige en ce moment? Salut les filles. Pourquoi tu dis ouf? Non, parce qu'en fait, on avait peur que ça soit Théo. T'imagines qu'il nous voit dans cette tenue? En tout cas, toi, tu t'es mise sur ton 31, tu dois sortir? Oh non, non. Pourquoi? Ah ben non, comme ça, une impression, c'est tout, hein? Non, bah, pas du tout, hein. Non, j'avais juste envie d'être jolie pour le petit déjeuner, voilà, c'est tout. Bon, j'ai bien droit, après tout. Comment vous me trouvez? Bien, mais bon, un peu trop habillée. Ouais, t'es sûre que tu dois pas sortir? Ah, mais je vous ai dit non, hein, je vous le jure. Attends, on est jeudi aujourd'hui. Ah ouais? Oh, mais c'est le jour où Théo ne va pas à son cabinet. Et c'est justement le jour où je suis en pyjama. Bon, arrêtez de faire cette tête. Je vous garantis que vous êtes très bien. Mais t'aurais pu nous le dire quand même. Puisque je vous dis que vous êtes parfaite. Maman, en tout cas, si elle me voit comme ça, je meurs. Bon, d'accord, bah allez vous changer, alors. Pour que tu restes toute seule avec lui quand il descend, non merci. Non, on teste pas toute seule, c'est trop dangereux. Qu'est-ce que vous voulez que je lui fasse? En vrai, je vais pas le manger, votre Théo. Le voilà. Oh mon Dieu, il va me voir comme ça. Dans l'urgence. Là. Ah, ça ira, Tata. Salut, les filles. Salut Claire. Ah, c'est toi. Bonjour Claire. Salut Claire. Mais c'est quoi ce panier? C'est les chemises de Théo, je dois faire une machine à laver. C'est drôle parce que je croyais que t'avais rencontré le premier homme qui lavait son linge tout seul. C'est vrai qu'avant c'était lui qui le faisait, hein. Chacun son tour. Mais avant je vais lui préparer un plateau pour le petit déjeuner. Il a envie de faire la grasse matinée, mon Théo. Ah oui? C'est bizarre. Pourquoi? Ah ben non, parce que avant c'était lui qui te le montait au lit, ton petit déjeuner. Oui, et finalement, même le plus adorable des hommes montre toujours un jour ou l'autre son vrai visage. Oui, oui, oui. Pauvre Claire. Allez, arrêtez de délirer les filles. On délire pas, hein. Si on dit ça, c'est juste pour t'aider, hein. Oui, oui, après il faudra pas venir nous dire qu'on t'avait pas prévenu. C'est tout. Oh, y a plus de jus d'orange? Eh non. Bon, comment ça, non? J'en avais mis exprès de côté pour mon nounours. Ah, bah c'est ton nounours qui a tout bu. Mais comment je vais faire, moi? C'est ce qu'il adore pour le petit déjeuner. Ben, c'est pas grave, t'as qu'à descendre lui en chercher. Oh non, bon sang! Avant, c'était nounours qui descendait. Ouais, mais bon, c'est pas grave, puisque c'est chacun son tour. Arrêtez, les filles. Vous voulez que je vous dise? Ben, il y a des jours, je suis très contente d'être toute seule. N'importe quoi. Oh, ben, pas du tout, je suis très sérieuse. Ben, non, je vous assure, je suis ravie d'être toute seule. Alors, surtout pour ce genre de choses, hein. Faire la lessive, descendre en catastrophe pour le petit déjeuner, oh non, merci. Tu sais pas quoi? J'ai pas du tout envie d'entendre ce genre de bêtises quand je me réveille. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais descendre lui en acheter, moi, du jus d'orange à mon nounours. Et pourquoi? Parce que ça me fait plaisir. Parce que c'est mon nounours à moi, compris? Eh ben... Ah, bonjour l'ambiance, dis donc. À mon avis, elle doit sentir que c'est plus comme avant avec Théo. Ouais. Pas une raison pour que ça nous retombe dessus. Oh, faut lui pardonner après tout. Pauvre Claire. Bah, tu vois, j'avais raison, Staff. Hein. Ouais. Finalement, le matin, c'est bien plus agréable pour faire du sport. Oui. On a bien fait de descendre, hein? Oui, je trouve aussi. C'est quand même plus agréable ici. Oh, bah ça, oui. Surtout que... Quand Claire a de mauvaise humeur, ça devient vite insupportable, hein, là-haut.
Oui. Je sais pas comment il fait pour la supporter, Théo. On se demande. Tu sais ce que c'est le pire? Le pire, c'est quand ils ont la grasse matinée bruyante. Alors ça, je ne peux plus. Et puis on peut pas dire que Klaus soit un modèle de discrétion assurée, hein. Tu veux que je te dise? À mon avis, elle doit faire exprès de faire grincer le lit. Tu crois pas? Bon, bah, moi j'en peux plus du vélo. Tu viens avec moi près de la piscine? Je crois que je continue un petit peu là. Mais je te rejoins dans 5 minutes, hein. D'accord. J'arrive. Salut, ça va? Oui, bonjour. Ça vous gêne si je prends ce vélo, là? Pas du tout, non, allez-y. Merci. Je savais qu'on finirait par s'entendre, vous et moi. Kilomètres à l'heure. Dis donc, vous êtes une pro, vous, hein? Moi, c'est André. J'aime bien connaître les gens avec qui je fais du vélo. Alors, je me présente. André. Et vous, c'est comment? Bon, écoutez, c'est pas que vous me dérangez, hein. Mais quand je fais du sport, j'aime bien pouvoir me concentrer. D'accord? Ouais. Concentrez-vous. Bah, j'adore les gens qui savent se concentrer. Surtout les femmes. Sans vouloir vous déconcentrer, là, vous pouvez me dire votre nom. On est là à pédaler côte à côte comme deux inconnus. Je suis sûr que vous vous appelez... Attendez, hein, ne dites rien. Martine, ou quelque chose dans ce goût. Pas du tout. Ah, Sophie, alors. Pas davantage. Ah, alors je donne ma langue au chat. Bon, ben, je crois que ça suffit. Hein. Vous arrêtez déjà, là? Non, mais on se connaît à peine. Mais c'est pas grave. Au revoir. Écoutez, on peut pas se quitter comme ça. Non, écoutez... Non, mais on vient juste de faire connaissance. Mais si! Je sais déjà que vous appelez pas Martine, ni Sophie, et que vous êtes Capricorne. Non, je suis désolée, mais je ne suis pas Capricorne. Non. Vous êtes sûr? Bah oui, ça, je suis sûr, je suis pas Capricorne. Bah, alors, vous êtes quoi, alors? Non, parce que j'aimerais bien le savoir, ça. Bon, écoutez, maintenant, vous êtes gentil, mais vous me laissez tranquille, d'accord? D'accord. Mais d'abord, dites-moi votre signe. Et après, je vous jure que je vous laisse tranquille. Non, parce que là, vous m'étonnez vraiment. Hein. Parce que moi, en général, je suis très doué pour connaître les signes, voyez? Alors, quand vous me dites que vous n'êtes pas du Capricorne... Oui, bon, ça suffit, maintenant, hein? Excuse-moi, Karen, dis, tu n'as pas vu Benoît? Non, Gérard, je l'ai pas vu. Dis-moi, est-ce que tu pourrais pas, Gérard... Karen, hein? Oh, mais c'est ravissant. Mais c'est très joli. Bon, en tout cas, bah, si tu le vois, bah, dis-lui que je le cherche. Bon, d'accord. À chaque fois, j'ai besoin de lui, impossible de le trouver. Oui, je me demande s'il prend pas des cours avec Norbert, tu vois, en ce moment, parce que je tirerais. Ah, ouais. Bon, dis-moi, en fait, je suis bien contente de te voir, cher, parce que voilà, est-ce que tu pourrais pas. Non, mais là, je suis vraiment désolée, Karen, non, il faut que j'aille, parce qu'il faut que je m'occupe de Madame Pichardo. Ah, Gérard, est-ce que vous avez trouvé Benoît? Ah, bah non, justement. Oui, bon, bonjour, monsieur. Non, bonjour, Karen. Bonjour, Madame Pichardo. Non, je suis désolée, parce qu'il faut absolument qu'on trouve Benoît. J'ai perdu l'adresse de Marc, et je dois absolument lui envoyer quelque chose pour son anniversaire. Bah, écoutez, Pichardo, bah, venez comme ça, on va. Oui, ah oui, non, mais attends, Gérard, parce que je. Karen, oh. Laissez-les, vous voyez bien qu'ils sont pressés. Mais hein? Écoutez, mais arrêtez! Bon, écoutez, je vous invite à prendre un verre. C'est pas possible. Ben pourquoi? C'est pas possible parce que parce que j'ai réservé la salle du V, voilà. Ah oui? Oui. Ben, je vous aurais bien invité à prendre un verre dans la salle du V, mais j'ai l'impression que vous ne seriez pas d'accord. Ben, figurez-vous que votre impression, elle est bonne. Au revoir. Et je peux vous accompagner quand même. Je vous trouve tellement merveilleuse. Y a quelqu'un? Oui, c'est qui? Ah, c'est toi, Benoît, c'est Karen. Ah, attends, oui, j'arrive. Ah, d'accord. Oui, non, c'est parce que là, c'est la séance de Mademoiselle Picot. Oui. Tu l'as mis de Monsieur Laplace. Alors, Gérard m'a demandé de m'occuper d'elle. Ah, ouais. Particulièrement. Donc, ça va durer un peu plus longtemps que prévu. Oui, seulement écoute, mon petit Benoît, là, je... Oui, non, mais là, c'est uniquement pour que Gérard n'ait pas d'ennui avec Monsieur Laplace, tu vois. Ouais. Tu comprends? Non, mais j'ai très bien compris, oui. Oui. Bah alors, tu fais vite. D'accord. On dit que tu fais vite. Voilà, merci. Je fais vite. Vite. Ça a l'air sympathique, hein, vos amis. Remarquez, c'est normal, hein. Ah oui, on dit qui se ressemble, s'assemble. Bon alors, écoutez-moi bien maintenant. Mon mari va arriver dans quelques petites secondes. Alors, ce qui serait vraiment formidable, c'est que vous me laissiez tranquille, d'accord? Votre mari? Oui. Ça m'étonnerait. Comment ça vous étonnerait? Eh,
Ouais, femme mariée, je la reconnais tout de suite. Oh, alors ça, c'est un comble. Bon, écoutez, hein, pour vous prouver que je vous en veux pas, je vous propose de l'attendre avec vous, d'accord? Et comme ça, on ira prendre un verre. Ah, Stéphanie, excusez-moi, mon petit monsieur. Stéphanie, je suis bien contente de vous voir. Je vous attends, hein. Et puis, on ira boire un verre tous les trois. Vous en êtes à votre troisième petit déjeuner. Ah, oui, je sais. Oh, c'est vraiment de la grasse matinée, ça, non? Enfin, là, cette fois-ci, je crois que Théo est quand même en train de se préparer. Sauf si, entre-temps, il a changé d'avis. Dis donc, t'es de bien meilleure humeur que tout à l'heure, toi. Ah oui, ça, c'est sûr. C'est Karen qui m'a énervée. Elle m'a vraiment dit des choses pas très gentilles. Oh, c'est pas grave. Oh, je la connais, Eva. Allez, le café de mon Théo va refroidir, j'y vais. Fanny, t'es toute seule? Karen n'est pas avec toi? Non, Claire et Théo sont encore là. Claire est partie rejoindre Théo, ça m'étonnerait fort qu'il quitte la chambre avant longtemps. Tu crois que je peux aller les déranger? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec Karen? Oh, en fait, c'est une histoire absurde. Karen se fait coller par un dragueur à la salle de gym et puis elle n'arrive pas à s'en dépêtrer. Il est beau. Pas terrible. Et terriblement collant. Aïe. Pourquoi elle remonte pas ici? Parce qu'elle a peur qu'il la suive jusqu'à l'appartement. Et puis comme elle sait pas comment s'en débarrasser, elle lui a dit que... elle attendait son mari. Son mari? Oui. Alors elle m'a demandé de dire à Théo de descendre et de se faire passer pour son mari, quoi. Ouh là 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 là. Pourquoi ouh là 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 là? Parce que ça m'étonnerait que Claire soit d'accord. Bah oui, mais c'est juste pour aider Karen. Hein. Mais oui, mais après ce que Karen lui a dit ce matin, ça m'étonnerait qu'elle soit d'accord, c'est tout. Ouais, t'as raison, hein, c'est ce que j'ai essayé de lui dire, mais... Mais quoi? Bah si tu crois que c'est facile de se parler à l'oreille avec l'autre type qui a 10 cm. Il est si collant que ça. Oh, tu peux pas imaginer. Et Gérard, il peut rien faire. Gérard est avec Madame Pichardot et puis lui, il a rien remarqué. Et puis Karen a peur qu'il fasse une gaffe et que l'autre se rende compte que c'est pas son mari. Ah oui, je vois, oui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, il faudra en parler directement à Théo. Bah oui, mais si Claire est là, ça va pas être très facile de lui parler seule à seule. C'est vrai qu'elle est collante, elle aussi. Il faut absolument qu'on trouve une solution, hein. Parce que en dehors de Théo, je vois pas qui d'autre pourrait jouer le rôle du mari de Karen. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils se disputent et que Claire parte en claquant la porte. Oh, c'est pas bête. Oui, mais comment on peut faire? Je sais. La voilà la solution. Je sais pas ce que c'est, je te dis, ne t'énerve pas, je ne sais pas. D'où ça vient? Mais je... C'est quoi la vérité? Oh, mais c'est la vérité. C'est une de tes clientes? Mais non, arrête, Claire. Qui t'a fait ça? Je ne sais pas. Théo, qui t'a fait ça, dis-le-moi. Oh, j'en sais rien ce que c'est, voilà. Comment ça, t'en sais rien? Elles sont pas descendues du ciel comme ça, après par l'opération du Saint-Esprit? Je sais pas. Ça a marché. Chut, chut, chut. Normalement, dans 30 secondes, elle prend son sac et elle part en claquant la porte sans dire au revoir à qui que ce soit. Normalement, oui. Attention, la voilà. Claire! Claire! Arrête! Qu'est-ce que je disais? Attention, la voilà. Aïe, 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 aïe. Ça va, Théo? Pas très bien, non. Sans être indiscret, on peut vous demander ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé? Oh, c'est simple. Claire est descendue pour faire une machine et... voilà, elle est remontée avec ça. Oh, c'est vrai que c'est pas très discret, hein. Vous savez, n'importe quelle femme aurait réagi pareil. Mais le problème, c'est que je sais pas du tout d'où viennent ces taches. Je sais pas comment elles ont pu arriver là. C'est pas ce que vous lui avez dit. Si, pourquoi? Vous savez, on ne peut pas imaginer pire comme ligne de défense. Mais c'est pourtant la vérité. J'ai pas du tout envie de la tromper, enfin. Je suis amoureux d'elle, c'est absurde, c'est complètement absurde. Vous savez comment ça s'est produit? Mais non, je sais pas.
Mais il va falloir trouver autre chose, parce que là, franchement, personne ne peut vous croire. Mais c'est la vérité. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Eh ben, je sais pas, inventer. Moi, je vous crois. Stéphanie aussi? Oui. On demande qu'à vous aider. Ah ben, je veux bien, parce qu'alors, je suis complètement larguée. Là. Non, mais bon, on va vous tirer de là. Ben, c'est gentil. Oui, mais seulement, il faudrait que vous nous rendiez un petit service. Oui, parce qu'en fait, Karen aussi a un petit problème. Il n'y a que vous qui puissiez l'aider. Et donc, il est un peu en retard, votre mari? C'est juste qu'il est un peu tête en l'air, quoi. Mais... il veut bien finir par arriver. Vous ne préférez vraiment pas venir prendre un verre chez moi? Vous n'aurez qu'à lui dire que vous en avez assez d'attendre, et puis... enfin, s'il existe, quoi. S'il existe. Je vous ai déjà dit non. Bon. Ben, comme vous voudrez. Vous reprenez autre chose? Non, merci, j'ai pas soif. En tout cas, j'ai plus soif. Dites, ce sont des amis à vous, là? Écoutez, ça suffit maintenant, d'accord? C'est pour moi ou c'est pour votre mari? Bon, sincèrement, maintenant faut que je vous le dise, je commence à en avoir par-dessus la tête. Allez. Compris? Calmez-vous. Oh Théo! Théo, mon amour! Mon chéri! Ma chérie, ma femme! Je vous présente mon petit mari, Théo. Ma femme. Voilà, mon mari adoré. Oui. Bon, excusez-moi, mais là j'ai un rendez-vous, hein. Théo, au plaisir. Oui, ravi de vous avoir rencontré. Au revoir, Karen. C'est ça, au revoir. Oh, tu peux pas savoir. Excusez-moi, Théo, je veux dire, vous pouvez pas imaginer comme je suis contente de vous voir. Vous m'avez carrément sauvé la vie. Non, voilà. Mais c'est rien. Là, il faut vraiment que je remonte. Là. Mais pourquoi? Parce que Claire risque de téléphoner et j'aimerais vraiment être là si elle appelle. À propos, elle n'est pas à l'appartement, Claire? Elle n'est pas là? Si, non, mais... Justement, si elle n'est pas là, allez, hop, vous essayez, voilà. Mais... Et vous passez un petit moment avec moi. Non, il faut vraiment que j'y aille. En plus, il est parti. Non, mais pas du tout. Imaginez si il retourne les parages. Il faut quand même qu'on reste ensemble un petit moment, parce que sinon, il va se doter de quelque chose. Oh, regardez, il arrive. Oui, attends, arrête. Non, si Claire arrivait maintenant, qu'est-ce qu'on lui dirait? Attention. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'on lui dirait? Ben, on lui expliquerait, c'est ah non, tout. Ah non, moi, je suis très, très mauvais en explication. Alors ça, je suis très mauvais. Mais attendez... Non, mais il faut vraiment que j'y aille. Bon, eh ben, moi, je sais très bien, si j'étais un homme... Ce que je me dirais en voyant une malheureuse femme avec un mari aussi peu empressé que vous. Qu'est-ce que vous vous diriez? Ce que je me dirais tout simplement, c'est... franchement, il s'occupe pas beaucoup d'elle et... Je vais le faire à sa place. Oh, qu'il le fasse à ma place. Alors vraiment, là, il n'y a pas de problème. Alors qu'il le fasse. Ah bah d'accord. Non, Karen, non, c'est pas ce que je voulais dire. Excusez-moi, mais j'ai eu une petite dispute avec Claire. Je voulais pas dire ça, mais j'ai pas du tout envie d'envenimer la situation, vraiment. Non, je crois que c'est vraiment mieux que je vous laisse. Hein? Allez, à tout à l'heure. Voilà. Oh là là. Oui, ma chérie. Il est parti, c'est bon. On se revoit tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Oui. Ouais, et ben. Ah, Claire, tu es là. C'est tout ce que t'as à me dire? Oui, excuse-moi, je suis tellement content que tu sois revenue. J'attends tes explications. Et toi, tu étais où? Ça te regarde pas? Ah, ne me touche pas. Bon, enfin, Claire, je t'assure que je t'ai dit la vérité. D'ailleurs, si tu me crois pas... Ouais, parce que toi, tu me croirais peut-être. Bon, moi, oui. Oui. Toi, oui. Et ces traces de rouge à lèvres? Tu trouverais pas ça bizarre? Si. Eh ben alors, tu vois. Ah oui, mais si toi, par exemple, tu m'assurais que c'est un mystère pour toi aussi, eh ben je pense que j'ai suffisamment confiance en toi pour arriver à te croire. Ah bon, tu me croirais? Oui, j'en suis même sûr, parce que je t'aime. Hein? Ah, n'essaie pas de m'avoir par les sentiments. Claire... c'est moi, Claire, c'est Théo, nounours. Hein? J'aurais pas pu te faire une chose pareille. T'es plus mon nounours à moi, voilà. Oh non, dis pas ça, c'est affreux. Bon alors, où est-ce que t'étais d'abord? Mais j'étais au gymnase, je suis allé te chercher partout, j'étais inquiet. Pendant tout ce temps? Mais oui, j'ai fouillé tout le gymnase, j'ai cherché partout. Et qui me dit que t'étais pas avec elle? Qui ça, elle? Elle!
elle, la femme rouge à lèvres. Écoute, Claire, tu sais bien que t'es la seule femme de ma vie, hein, tu le sais. Bon, allez, j'aime bien me croire mon innocence à moi. Bah oui, c'est comme ça, on s'est réconciliés. Ah bah oui, c'est super, c'est super, c'est super. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Espèce de monstre. Alors là, cette fois, il va falloir que tu m'expliques comment t'as fait ça sans que tu te rendes compte de ces imbéciles. Oh, Théo. Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce que j'ai dit? Eh ben, regardez-vous. Oh mon Dieu. Merci, je... Qu'est-ce que je... J'y vais. Claire! 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 Ah, bonjour Claire, vous allez bien? Non, justement, pas du tout. Oh non, mais je sais, tout va de travers aujourd'hui. Gérard est allé chercher l'adresse de Marc qu'il a noté quelque part et impossible de remettre la main dessus. Alors moi, je suis coincée ici à l'attendre, voilà. Et en fait, je devrais être à mon conseil d'administration, vous savez. Eh ben, oui. Bonjour. Bonjour monsieur, vous désirez... Une serviette, s'il vous plaît. Une serviette, voilà. Voilà, si mes administrés me voyaient, là... Merci. Je vous en prie. Excusez-moi, mais j'ai l'impression que nous nous sommes déjà vus quelque part. Nous? Non. Ah si, votre visage me dit quelque chose, là. Non, mais non, voyons. Vous devez faire erreur, monsieur. Ah non, je suis sûr que non, là. Vous n'étiez pas à Saint-Amand-Montrond cet été? Non. Oh, bah, vous savez, votre visage vraiment aussi pur, non, c'est pas facile à oublier, hein. Oh, écoutez, excusez-moi, là, mais je suis vraiment pas d'humeur. Ah, je suis sûr qu'on se connaît. Venez, je vous invite à prendre un verre, vous allez voir. Non, j'ai pas soif. Bah, on va bien finir par trouver où on s'est connus. Je vous dis qu'on ne se connaît pas. Eh bien justement, on va faire connaissance. Oh, mais vous m'énervez à la fin. En plus, j'attends mon fiancé. Ah bon? Ah oui. Dans ce cas... Et si vous voulez, on peut l'attendre ensemble. Non, merci. Bon, écoutez, moi je m'y connais, hein. Je suis prêt à parier que vous n'avez pas de fiancé. Ah non. Voilà. Non, mais vous en avez combien, vous, des... Bon, écoutez, il y en a marre, hein. Non. Mais qu'est-ce que c'est? Mon honneur, ça. Mon honneur, c'était pas dit pour moi, mon chéri, tu m'aimes.